Vassilissa la très belle, conte populaire russe, Alexandre Afanassiev, 1958. Il était une fois en marchant. En 12 ans de mariage, il n'eut qu'une fille, Vassilissa la très belle. Sa femme mourut alors que la petite avait 8 ans. Sentant approcher sa fin, la mère l'appela, prit une petite poupée cachée sous sa couverture et dit à Vassilissa « Écoute mes dernières paroles. Obéis à mes dernières volontés. Je te donne cette poupée avec ma bénédiction maternelle. Garde-la, ne la montre à personne. Si quelque mal t'advient, offre à manger à ta poupée et demande-lui conseil. Elle t'aidera dans le malheur. » La femme du marchand embrassa sa fille et mourut. Le veuf se désola comme il convient, puis songea à se remarier. C'était un homme bon, il ne manquait pas de prétendantes. Mais il choisit une femme plus très jeune, veuve comme lui, avec 2 filles de l'âge de la sienne. Une bonne ménagère, s'est-il dit, et mère de famille avisée. Il l'épousa donc, mais il se trompa. Sa femme n'était pas une bonne mère, comme sa Vassilissa. La marâtre et ses filles étaient jalouses de la beauté de Vassilissa. Elles la tourmentaient, l'accablaient de besogne, pour que le vent et le soleil la fassent noircir, que le travail la fasse dépérir. Mais Vassilissa supportait tout, sans se plaindre, et devenait chaque jour plus belle, chaque jour plus blanche et rose, alors que la marâtre et ses filles, qui ne bougeaient pas, ne faisaient rien de leurs 10 doigts. Maigrissaient de dépit et jaunissaient d'envie. Elle ne savait pas que sa poupée aidait Vassilissa. Sans elle, la fillette n'aurait pas pu accomplir tout ce travail. Le soir, quand tout le monde s'endormait, la jeune fille s'enfermait dans son apprenti, servait à manger à sa poupée et lui racontait ses malheurs. « Petite poupée, mange, écoute mes peines. Triste est la maison de mon père. » Méchante marâtre, veux ma perte. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ? La poupée mangeait, puis elle consolait Vassilissa, la conseillait et, au matin, faisait tout le travail à sa place. Vassilissa se repose à la fraîcheur, cueille des roses, et pendant ce temps, le potager est sardé, l'eau puisée, les choux arrosés, le feu allumé. La poupée lui indiquait même une herbe contre le bronzage. Et la jeune fille choyait sa poupée, lui gardait les meilleurs morceaux. Vassilissa grandit et devint une fille à marier. Tous les garçons de la ville demandent la main de Vassilissa et personne ne regarde les filles de la marâtre. Alors la marâtre se met à haïr Vassilissa encore plus et répond aux prétendants. « Je ne marierai pas la fille cadette avant les aînés. » Et après le départ des garçons, elle bat Vassilissa pour se venger. Un jour, le marchand dut partir en voyage pour longtemps. La marâtre s'en alla habiter une maison à l'orée de la forêt. Dans cette forêt vivait Baba Yaga, la vieille sorcière. Elle ne laissait personne approcher de sa maison et croquait les gens comme des poulets. Pour se débarrasser de Vassilissa, sa marâtre l'envoyait tout le temps dans la forêt. « Cherche ceci, apporte cela. » Mais la jeune fille revenait saine et sauve. Sa poupée la guidait, l'éloignait de la maison de Baba Yaga. L'automne vint. Durant les longues soirées, les filles travaillaient, l'une à faire de la dentelle, l'autre à tricoter des bas, et Vassilissa à filer le lin. La marâtre leur donna leur tâche pour la nuit et se coucha, ne laissant qu'une chandelle allumée pour les travailleuses. L'une de ses filles fit mine de moucher la chandelle avec une pince et l'éteignit, comme sa mère le lui avait ordonné. Quel malheur ! L'ouvrage n'est pas terminé, il n'y a pas de feu dans la maison. Il faut aller chercher du feu à Baba Yaga ! Moi ! Dit la tricoteuse. Mes aiguilles brillent, j'y vois bien. Et toutes les deux s'en prirent à Vassilissa. C'est à toi d'aller chercher du feu chez Baba Yaga ! Et elles la poussèrent hors de la pièce. Vassilissa courut à son apprenti, servit le souper à sa poupée et lui dit en pleurant « Petite poupée,
manche et écoute ma peine. On me dit d'aller chez Baba Yaga. Elle va me dévorer. Ne crains rien, lui répondit la poupée. Moi avec toi, et va tranquillement où l'on t'envoie. Tant que je suis là, rien ne peut t'arriver. Vasilissa mit sa poupée dans sa poche et s'en alla dans la forêt, obscure, sur des sentes inconnues, sur des chemins perdus. Elle cheminait, et depuis quelque temps, elle vit un cavalier qui la dépassa, tout blanc, de blanc vêtu, et monté sur un cheval blanc, harnaché de blanc. Aussitôt, le ciel devint plus clair. Elle poursuivit son chemin et vit un autre cavalier, tout rouge, vêtu de rouge, et monté sur un cheval rouge, et de rouge harnaché. Et le soleil se leva. Ce n'est qu'au soir tombant que Vasilissa atteignit la clairière où vivait Baba Yaga. Sa maison d'ossements était faite de crânes avec des yeux qui ornaient le faîte, pour montants de portails des tibias humains, pour loquets ferrures des bras avec des mains, et en guise de cadenas verrouillant la porte, une bouche avec des dents prêtes à mordre. La pauvre fille tremblait comme une feuille en voyant ça. Quand un cavalier arriva, tout noir, de noir vêtu, et monté sur un cheval noir, au noir harnais. Aussitôt, la nuit tomba, et s'allumèrent les yeux des crânes, si bien qu'on y voyait comme en plein jour. Vasilissa aurait bien voulu se sauver, mais la peur l'a clouée sur place. Tout à coup, il se fit un grand bruit dans la forêt. Les branches craquaient, les feuilles crissaient, et déboucha dans la clairière Baba Yaga, la vieille sorcière. Dans un mortier, elle voyage, du pilon l'encourage, du balai efface sa trace. Le mortier s'arrêta devant le portail. Baba Yaga eut mal l'air et s'écria : Ça sent la chair fraîche par ici ! Montre-toi, qui que tu sois ! Toute tremblante, Vasilissa s'approcha en saluant bas. C'est moi, grand-mère. Les filles de ma marâtre m'ont envoyé chez toi, te demander. Oh, je les connais, dit Baba Yaga. C'est bon, tu vas rester ici et me servir. Si le travail est bien fait, je te donnerai du feu. Autrement, je te mangerai. Baba Yaga se tourna vers le portail et cria : Déverrouillez-vous, canard résistant. Large portail, ouvre-toi à deux battants. Le portail. Le portail s'ouvrit. Et Baba Yaga roula dans la cour en sifflotant. Vasilissa la suivit, et le portail se referma. Une fois dans la maison, Baba Yaga s'affala sur un banc et ordonna à Vasilissa : Que tout ce qui est au four et dans le garde-manger devant moi vienne se ranger. Et dépêche-toi, j'ai faim. Vasilissa se mit à la servir. Pâté et rôti, salami et confit, tartes et tourtes, jambons et soupes. Elle tira du cellier piquette et eau de vie, bière et vin à l'envi. De quoi boire et manger pour 10. Elle ne laissa pour Vasilissa qu'un quignon de pain et un peu de soupe et un bout de cochon rôti. Puis elle dit : Demain, après mon départ, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, prépareras le dîner, rangeras le linge. Après ça, tu prendras dans la huche un boisseau de blé que tu vas trier grain par grain. Et tâche que tout soit bien fait. Sinon, je te mange. Aussitôt, elle se coucha et se mit à ronfler. Vasilissa servit à sa poupée les restes du souper de Baba Yaga et lui dit en pleurant : Petite poupée, mange à ta faim, écoute ma peine chagrin. Si je
fais pas tout ce travail, Baba Yaga va me manger. Ne crains rien, lui répondit la poupée. Va dormir tranquille. Le soir, vois tout en noir, mais le matin, il est plus malin. Vasilissa se leva avant l'aube, mais Baba Yaga était déjà debout. Bientôt, les yeux des crânes s'éteignirent. Passa le cavalier blanc et le jour se leva. Baba Yaga sortit dans la cour et siffla. Aussitôt, le mortier vint se ranger devant elle avec le pilon et le balai. Le cavalier rouge passa et le soleil apparut. Baba Yaga monta dans son équipage et fila bon train. Dans un mortier voyage, du pilon l'encourage, du balai efface sa trace. Restée seule, Vasilissa fit le tour de la maison en se demandant par quel bout commencer l'ouvrage, quand elle vit que tout était déjà fait. La poupée triait les derniers grains de blé. Vasilissa l'embrassa. Comment te remercier, ma poupée chérie ? Tu m'as sauvé la vie. La poupée grimpa dans sa poche en disant : Tu n'as plus que le dîner à préparer. Puis repose-toi. Au soir tombant, Vasilissa mit la table. Bientôt, le cavalier noir passa et la nuit tomba. Les yeux des crânes s'étaient allumés et on entendit les branches craquer, les feuilles crisser. C'est Baba Yaga qui arrive. Vasilissa sortit à sa rencontre. Le travail est-il fait ? L'ouvrage bien terminé ? Demanda Baba Yaga. Vois par toi-même, grand-mère, répondit la jeune fille. Baba Yaga inspecta tout, regardait partout, sans trouver rien à redire. Elle grogna. Bon, ça peut aller. Puis appela. Fidèle serviteur, mes amis de cœur, venez moudre mon blé. Alors trois paires de bras ont apparu, ont emporté le grain hors de la vue de Baba Yaga. Baba Yaga dîna et se coucha en disant. Demain, en plus de tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas trier un boisseau de graines de pavé. La terre s'y est mêlée. Tâche qu'il n'en reste pas une trace. Sinon, je te... Elle se mit vite à ronfler. Vasilissa servit sa poupée, qui mangea, et lui dit comme la veille, mange. Va dormir tranquille. Tout sera fait. Le matin est le plus malin. Le lendemain, l'ouvrage fait en entournemain, Vasilissa se reposa tranquillement. À son retour, Baba Yaga inspecta tout, regarda dans tous les recoins et ne trouvera rien à redire. Elle appela. Fidèles serviteurs, mes amis de cœur, venez presser l'huile de mes graines de pavot. Trois paires de bras ont apparu, ont emporté les grains hors de la vue de Baba Yaga. Baba Yaga s'attabla pour dîner. Vasilissa la servait en silence et la sorcière grommela. Pourquoi tu ne dis rien ? Tu es là comme une muette. C'est que je n'osais pas, grand-mère. Mais si tu le permets, je voudrais bien te demander quelque chose. Demande. Mais toute question n'est pas bonne à poser. D'en savoir trop long, on vieillit trop vite. Je voudrais que tu m'expliques ce que j'ai vu, grand-mère. En venant chez toi, un cavalier blanc m'a croisé. Qui est-il ? C'est mon jour clair, répondit Baba Yaga. Après ça, j'ai vu un cavalier tout rouge. Qui est-ce ? C'est mon soleil ardent. Et puis, j'ai vu un cavalier tout noir. Qui est-ce ? C'est ma sombre nuit, répondit Baba Yaga. Tous trois sont mes serviteurs fidèles. Tu veux savoir autre chose ? Vasilissa pensait aux trois paires de bras, mais n'en souffla mot. Baba Yaga lui dit : Eh bien, tu ne me poses plus de questions. J'en sais bien suffisamment pour moi, grand-mère. Tu l'as dit toi-même : à trop savoir, on vieillit vite. C'est bien, approuva Baba Yaga.
Tu interroges sur ce que tu as vu dehors, pas sur ce qui se passe dedans. J'entends laver mon linge en famille, et les trop curieux, je les mange. Et maintenant, c'est mon tour de te poser une question. Comment arrives-tu à faire tout le travail que je te donne ? La bénédiction maternelle me vient en aide, grand-mère. C'est donc ça. Eh bien, fille bénie, va-t'en et tout de suite. Je n'en veux pas de bénie chez moi. Baba Yaga poussa la jeune fille dehors, mais avant de refermer le portail, elle prit un crâne aux yeux ardents, le mit au bout d'un bâton qu'elle fourra dans la main de Vasilissa. Voilà du feu pour les filles de ta marâtre. Prends-le. Après tout, c'est pour ça qu'elle t'avait envoyé chez moi. Vasilissa partit en courant dans la forêt. Les yeux du crâne éclairaient son chemin et ne s'éteignirent qu'à l'aube. Elle chemina toute la journée et vers le soir, comme elle s'approchait de la maison, elle se dit « Depuis le temps, elles ont sûrement trouvé du feu. » Et elle voulut jeter le crâne. Mais du crâne, une voix sortit. « Ne me jette pas ! Porte-moi chez ta marâtre !» Vasilissa obéit. En arrivant, elle fut bien étonnée de ne pas voir de lumière dans la maison, et plus étonnée encore de voir la marâtre et ses filles l'accueillir avec grande joie. Depuis son départ, lui dit-on, pas moyen d'avoir du feu dans la maison. Celui qu'on allume ne prend pas, celui qu'on amène de chez les voisins s'éteint. Le tien se gardera mieux peut-être, dit la marâtre. Vasilissa apporta le crâne dans la chambre. Aussitôt, les yeux brûlants se fixèrent sur la marâtre et sur ses filles, les suivant partout. En vain tentait-elle de fuir ou de se cacher. Les yeux les poursuivaient et avant l'aube, il n'en resta que des cendres. Seule Vasilissa n'avait aucun mal. Au matin, Vasilissa enterra le crâne, ferma la maison et s'en alla en ville, où une vieille femme l'a recueillie en attendant le retour de son père. Un jour, Vasilissa dit à la vieille « Je m'ennuie à ne rien faire. Grand-mère, achète-moi du beau lin, je vais le filer. » La vieille lui apporta du lin et Vasilissa se mit au travail. Le fil s'étire sous ses mains, fin, solide. Elle eut vite fini de filer, voulut se mettre à tisser, mais aucun métier n'était assez fin pour son fil. C'est encore sa poupée qui l'aida, qui lui fabriqua un beau métier. Vasilissa se remit à l'ouvrage, et à la fin de l'hiver, la toile était tissée, si mince, si fine, qu'on aurait pu la faire passer par le chat d'une aiguille. Au printemps, on fit blanchir la toile, et Vasilissa dit à la vieille femme « Va au marché, grand-mère, vends cette toile. » Et garde l'argent. Mais la vieille se récria. Tu n'y songes pas, ma fille. Une telle marchandise, je vais la porter chez le tsar. Elle s'installa devant le palais, commença à aller et venir à côté des fenêtres. Le tsar la remarqua. Il l'appela. Que fais-tu là, bonne vieille ? Que veux-tu ? Je t'apporte une denrée rare, comme votre majesté n'est pas près d'en voir. Le tsar fit entrer la vieille et s'émerveilla de la toile. Ah, combien en demandes-tu, bonne vieille ? Une toile pareille n'a pas de prix. Nul ne peut l'acheter. Le tsar seul peut la porter. Je te l'offre en présent. Le tsar remercia la vieille qui partit, chargée de cadeaux. Le tsar donna la toile à ses tailleurs pour qu'ils lui en fassent des chemises. Ces chemises, ils les coupèrent, mais pour ce qui est de les coudre, rien à faire. Ni tailleur, ni lingère n'osaient œuvrer une toile aussi fine. Le tsar, impatient,
envoya chercher la vieille femme et lui dit « Puisque tu as su tisser la toile, tu sauras coudre mes chemises. » « Cette toile ne sort pas de mes mains. Ma fille adoptive l'a filée et tissée. » « Eh bien, elle n'a qu'à coudre mes chemises. » Quand la vieille lui apporta l'affaire, Vassilissa sourit. « Je me doutais bien que c'était travail pour mes mains. » Et elle se mit à coudre. La douzaine de chemises fut prête en un rien de temps. La vieille les emporta chez le tsar et Vassilissa, qui avait son idée, se baigna, s'habilla richement et s'installa devant les fenêtres. Peu après, elle vit arriver un envoyé du tsar qui dit à la vieille « Où est cette habile couturière ? Sa majesté le tsar veut la récompenser de ses mains. » Ainsi, Vassilissa se rendit au palais. Et quand elle entra, quand le tsar la regarda, il en tomba amoureux sur le champ. « Je ne te laisserai pas partir, ma douce beauté. Sois ma femme. » Le tsar prit par la main Vassilissa la très belle, la fit asseoir à ses côtés et en célébra leurs noces sans plus tarder. Bientôt, le père de Vassilissa revint de voyage. Il fut tout heureux du bonheur de sa fille et resta vivre auprès d'elle. La vieille femme demeura ainsi avec eux. Et toute sa vie, la tsarine Vassilissa porta sa poupée sur elle, dans sa poche. Fin. Create and play.